bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'épisode 40, c'est Itako H et on commence l'aventure. Donc la dernière fois, on s'est battu contre le Marquis Endor, mais c'est pas fini, hein? Il a encore quelque chose dans sa poche. C'est bon. C'est vrai que moi je connais déjà l'histoire, mais je vais pas vous spoiler c'est quoi. Donc, ouais. On va reprendre une formation. Quelle formation? Qu'est-ce que je pourrais bien lui mettre à mon Itako H? Jaw, Lancer, Oracle, Mediator, Tige, Summoner, Time Mage. J'avoue que je sais pas trop. On pourrait s'amuser avec. Oh tiens, on peut essayer ça. Il y avait quoi dans un jump lui? Lancer. C'est bon. On pourrait essayer de s'amuser comme ça. Alors. Flash. Bon, c'est complètement improvisé, mais pas grave, ça me tente de faire ça. Red Shoes ou Magic Gauntlet? Red Shoes, juste pour la portée que ça va donner. J'avoue que même le Power Sleeve pourrait être tentant. Power Sleeve. Ouais, ça. Pas mal rond comme stat, 11-12. C'est pas immense, mais c'est pas grave. Donc, il va avoir une portée de cinglé, c'est pas grave. Ça va être drôle. Alors, Summoner niveau 8. Sans White Magic, on va le garder comme ça. On manque. Ah, j'aurais dû continuer à ramasser pour le Earth Slash. Pas grave. Mon oracle. Qu'est-ce qu'on pourrait lui apprendre? Pour un P-Hop, c'est toujours amusant. Bon, toi c'est sûr que tu vas pas rester comme ça. Elle c'était ma Geomancer. Geomancer. On va enlever les styles. On va mettre le draw out. On n'a pas besoin de concentrate. Mettre le Magic Attack Up peut-être. Elle a pas Magic Attack Up. Sacrilège. Alors comment on va l'équiper celle-là? Sprint. Edge Shield. Flash. Power Sleeve. Ça me semble pas mal. Ouais, ça a l'air pas super. Yin Yang avec White Magic, c'est bon. Bon, ça me semble assez consistant comme équipe.
Oups, j'ai oublié quelque chose d'important. J'ai oublié quelque chose de vraiment très important. J'ai oublié mes accessoires. Fallait que j'arrange ça. Eh ben. J'ai pas touché mes accessoires du tout, puis je risque de le regretter. Boss Zodiac. Le dernier c'était Velius. Avant ça on a eu Quatlane. Et là on a Zalera, je pense. Si ma mémoire est bonne. Zarella, pas Zalera. Et notre renfort inutile arrive. Vaincre Zalera. Zarella? Ouais, Zarella. Non, Zalera. Et voilà pourquoi que je me suis dit que j'allais regretter. Ah, non, ça fait pas ce que je pense. Se cacher comme une lâche. Ah non, elle attaque, ça c'est rare. Ah ok, ils l'ont pas fait inutile dans ce combat là. Elle va me gaspiller mes Phoenix Down pour la bonne cause. Chance de pétrification. Ouais, on va le faire. J'avoue que je préfère le 100% de chance. Loin.
bon, je peux me placer ici sans problème. Et je suis encore dans le ferry. Bon, finalement le ferry était pas utile pour elle, mais c'est pas grave. Ça fait quand même mal, 284. Voilà, ils sont collés, ça c'est bien. Assez facilement à ce moment-là. Boss Zodiac est déjà presque vaincu. Il a 4 fois 284 HP, donc 1100 quelque chose. Bon, je pourrais l'achever maintenant, mais ça serait triste de laisser un ennemi debout. Combat facile, même si j'ai oublié mes accessoires. Parce qu'en général, ce boss, je pense qu'il fait des pétrifications, il fait aussi des sleep puis des death sentence. Donc, ouais.
croire qu'il préférait y aller pour le kill sur mon oracle à chaque fois, mais le chantage étant overpower, c'est ça que ça donne. Petit combat facile. C'est un peu nul comme raison, mais ça me donne une raison de retourner voir mon frère puis de le buter. C'est bien correct. À tout partir pour son équipement. Pas de place, pas de problème. Au revoir, Chocobo. Mais pas mal aussi. Vous avez une rune blade. Ouais, ben ça c'est pas mal. Super. Je vais même t'en acheter une autre. Parce qu'on sait jamais. Ça pourrait être utile. Explosion. Phoenix Down, j'en ai assez. Là, on va sauvegarder. On va aller faire un tour du côté de Dorter Thread City. Je pense qu'il y a peut-être le volcano aussi ici. Le volcano ici qu'on pourrait peut-être faire un tour par la suite si on a le temps. Bon. Ah, j'avais oublié une séquence comme ça. Ah oui. Moi, je l'avais oublié celle-là. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous allez peut-être être surpris de voir ce qui va se passer, ce qui va, en fait, ce que vous allez voir là.
Scène intéressante, hein, quand même. On voit que Dilithée est rendu roi. Ah, oui, j'avais oublié cette scène-là aussi. Zalbak a engagé un chimiste. Voir la déception dans Zalbag, même s'il a fait des choses atroces, il est pas fondamentalement mauvais. Il faisait des choses en s'imaginant que c'était pour le bien. Mais malheureusement, il a fait des choses atroces. Je sais pas pourquoi, mais je me doutais que j'aurais un combat. Bon, on va faire ça rapidement. J'ai quand même une équipe puissante. Je devrais avoir le temps de faire ça, au moins pour la fin du vidéo. Et voilà. Ah, Dumbledore Swamp, ça c'est n'importe quoi cette map là. Généralement, il n'y a rien de dur là-dessus. C'est quasiment une Mandalia Plain. Puis probablement même souvent c'est plus facile. Mandalia Plain au chapter 4, il y a souvent des chocobos rouges puis des trucs, des panthères dangereuses puis des ennemis humains. Cette map est tout le temps facile, j'ai jamais rien vu de dangereux. Bon, on va profiter de la glace de mon pistolet. Hein. Si je me place ici, je devrais pouvoir atteindre qui je veux, puis perdre une level en même temps. 278, 264. Allons-y pour le kit. Kit assuré, une bonne chose. Probablement un autre kill. Même pas besoin de bouger. Ah ouais, il faut bouger. Un
2, 3, 4, 5. C'est un petit peu ridicule, mais c'est comme ça. Elle a un gun aussi, hein, si je me trompe pas. Ouais. Peut-être un kill aussi. Et c'en est un. Bang! On parlait d'un combat qui serait facile. Ben, il va y avoir que mon summoner qui va s'être pris quelque chose en pleine tronche. Donc, c'est ce que je disais. Un team qui overpower pour cette map-là. Plus de fric. Faites le garrison. Donc, on va arrêter la vidéo ici pour aujourd'hui. Hein? Ça fait déjà un épisode de 30 minutes. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ça. Vous pouvez commenter, mettez des likes, inscrivez-vous à notre chaîne. Donc, voilà. C'était Itakouache et je vous dis à la prochaine. Au revoir.